est perdu. Ballon récupéré par du sautoir, attention, au large, très loin, il y a Vincent Clerc qui rafute, Vincent Clerc l'a croisé, avec Médard, Vincent Clerc, le duel essai. Oh, il s'en est fait tout seul, il s'en est fait tout seul, et on s'accroche, et on se titille, mais c'est Toulouse qui marque ce deuxième essai, Thomas. Avec quel essai, un petit peu de confusion, sur un ballon mal négocié au départ, une mêlée tournée par les Toulousains, et là, regardez, Monsieur Matteux qui siffle pas, laisse l'avantage intelligemment. On pensait que l'action était terminée. Et là, Vincent Clerc qui va faire la différence tout seul. Regardez ça, il va marquer cet essai. Fustiger la défense Castres. Regardez comme il bouscule Telé, il le repousse. Et là, un contre un face à Andreu. Il va aller marquer cet essai. La puissance de Vincent Clerc qui revient au plus haut niveau. Que c'est bien joué de la part de l'ailier toulousain. On le sait, on connaît sa force sur les raffus. C'est son arme principale. Et là, dans le défi d'homme à homme, un contre un face à Andreu. Un défi pour deux joueurs. Et là, Andreu, pas forcément un joueur qui va pratiquement, on connaît le tempérament du joueur, lui mettre un coup de poing.